Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend un petit 2 minutes pour parler de gestion de la santé et sécurité, mais spécifiquement de rigueur et d'imputabilité. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans beaucoup d'organisations, on a des programmes, des procédures, et là on demande aux gens, bien, d'après vous autres, à quel pourcentage on doit appliquer les programmes, les procédures en santé et sécurité et de manière unanime, les gens vont dire, à 100%, parce que s'il y avait une ligne qui servait à rien dans le programme, on l'effacerait, mais si c'est là, c'est fait pour être exécuté. Par contre, la réalité est souvent différente. Et on met peu de rigueur, on a écrit des procédures qui est le seul et unique standard à respecter, mais dans la réalité, c'est appliqué de manière différente par laxisme, par manque de rigueur, manque d'imputabilité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment qu'on définit des rôles et responsabilités aux gens, il faut les former, les informer sur ces rôles-là. Il faut leur fournir les bons équipements, le bon environnement de travail, etc., qui va venir avec ce qui rend possible l'exécution des rôles. Mais après ça, il va falloir mettre de l'imputabilité sur les rôles. Et de l'imputabilité sur les rôles, ça passe par des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, tout le monde fait ce qu'il veut. Et comment ça s'appelle quand tout le monde fait ce qu'il veut en matière de santé et sécurité? C'est de l'improvisation. Et c'est quoi la dernière chose qu'on veut en matière de santé et sécurité? De l'improvisation, parce que ce qu'on veut, c'est une stratégie exécutée de une façon par tout le monde, tout le temps. Et donner des conséquences, je tiens à vous dire que ça ne veut pas dire mettre tout le monde dehors. Ouvrez bien vos contrats de travail, vous allez voir que dedans, on va avoir mis des gradations normales de sanctions. Et une faute mineure va avoir un avis verbal, puis après ça, un avis écrit, puis après ça, avoir une journée de suspension, on va continuer. Et il va y avoir des éléments qu'on va appeler des éléments à tolérance zéro, par exemple, comme contourner un système de cadenassage, travailler en hauteur sans porter son harnais ou peu importe. Et pourquoi qu'on ne va pas traiter ces éléments-là sur le même pied que j'ai pas porté mes lunettes de sécurité? C'est que les conséquences, et pour l'individu et pour l'organisation, ne sont pas les mêmes. Et dites-vous que s'il n'y a pas de conséquences, ça ramène à ce qu'on disait tantôt, tout le monde fait ce qu'il veut. Il faut garder en tête que comme organisation, on est responsable de protéger tout le monde, tout le temps. Donc, zéro place à l'improvisation et que ça prend de la rigueur et de l'imputabilité de manière immédiate en santé et sécurité. Parce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'applique pas votre programme de cadenassage dans 5 minutes et qui se fait arracher les doigts, ben, il est tout simplement trop tard et qui va recevoir la visite de la CNESST, les avis d'infraction, etc. Je vous laisse répondre à cette question-là. Donc, devoir d'autorité qui assure notre diligence raisonnable parce que, d'après vous autres, des programmes et des procédures qui ne sont pas appliqués en santé et sécurité, ça sert à quoi? Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas pour me contacter. Ça me fait plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye-bye.